Monsieur Yannick Fétiveau, maire donc de Pont-Saint-Martin, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue, nous sommes dans votre salle, je dis votre salle, notre salle à Pont-Saint-Martin, c'est la salle de l'origami. La salle des Marty-Fontains, qu'ils ont attendu pendant effectivement plus de 20 ans, donc elle est là. Malheureusement, elle ne vit pas beaucoup depuis mars l'année passée. Inauguration, on le rappelle, janvier 2020, deux spectacles seulement. Malheureusement, deux spectacles seulement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis effectivement de lui donner vie aujourd'hui avec cette belle manifestation que prépare Sébastien Thiel. Il est en train de s'échauffer, on l'a vu s'étirer, il est en train de se préparer pour le show, le live dans quelques instants, le Kids Mix United for Children. Pourquoi avoir dit oui si rapidement, monsieur le maire, à la demande de Sébastien Thiel? Comme tous les maires, comme tous les responsables, effectivement, on a conscience que le monde du spectacle, l'événementiel, la culture sont sinistrés. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que l'on soutient la culture et l'événementiel dans cette opération de Sébastien Thiel. Une réponse rapide en plus. Il n'a pas fallu des heures et des heures pour la donner. Une réponse très rapide puisque nous étions aussi en relation avec un magicien de très haut niveau pour faire un spectacle déporté. Donc le concept était déjà né dans nos consciences. Parlez-nous de cette salle de l'origami, s'il vous plaît. Alors cette salle de l'origami, effectivement, elle a été pensée comme une salle polyvalente. Elle peut effectivement accueillir à la fois les festivités, les mariages, les séminaires, mais aussi on l'a pensée pour des événements. Et là, en l'occurrence, c'est un événement, donc on est ravis de la mettre à disposition. Aujourd'hui, c'est même un plateau télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un lieu de vie, de spectacle, avec des techniciens. Ça fait du bien de revoir le monde du spectacle qui est en ce moment fortement impacté par la crise sanitaire. C'est vrai que c'est pour nous la première fois que l'on voit cette salle prendre des couleurs, avoir du son, et nous étions très impatients de pouvoir la tester. Et donc pour nous aussi, c'est un grand jour aujourd'hui. Racontez-nous la rencontre avec Sébastien Thiel, s'il vous plaît. Effectivement, le projet de Sébastien Thiel nous a touchés. Hein, les valeurs de la commune sont des valeurs solidaires. Des valeurs effectivement qui font référence à la générosité. Et là, en l'occurrence, on a effectivement un spectacle qui effectivement est un spectacle qui fait appel à la générosité et à la solidarité. Est-ce que vous allez rester danser avec nous, monsieur le maire? Écoutez, ce serait avec plaisir. Il faut que je regarde mon agenda, mais ça va être avec plaisir. Oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci en tout cas de votre participation et à la ville de Pont-Saint-Martin pour votre implication. Merci. Merci à vous. Kids Mix United for Children, dans quelques minutes avant ça, interview rencontre avec les partenaires, avec les personnes qui ont permis justement l'événement aujourd'hui, notamment Marie-Anne David. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes adjointe à la culture, à l'événementiel et au tourisme pour la ville de Pont-Saint-Martin qui nous accueille aujourd'hui pour cet événement dans cette salle de l'origami. Magnifique. Merci. Nous aussi, nous sommes heureux de vous accueillir et notamment permettre aux artistes de pouvoir travailler et d'exercer leur métier. Avant de parler de l'événement, revenons sur cette salle de l'origami qui a été inaugurée en janvier 2020. Tout à fait. Donc après l'inauguration, uniquement les vœux à la population et ensuite deux spectacles ont été accueillis dans cette salle qui permet beaucoup de spectacles, de possibilités de spectacles vivants. Alors, ça veut dire que vous allez proposer un programme culturel ici varié, différent, qui s'adresse à tout public, j'imagine. Oui, concerts, théâtre, humour, danse, cirque, on a eu aussi. C'était vraiment une demande des habitants de Pont-Saint-Martin. Tout à fait. Déjà, c'était la demande d'avoir une salle pour pouvoir faire des événements festifs familiaux. Mais nous, on a souhaité aussi associer la partie culture. Or, pourquoi l'avoir appelé la salle de l'origami? Alors, il y a eu un concours. Les gens ont donc proposé, la population a proposé des noms et c'est celui qui a été retenu par la commission. La cause aujourd'hui défendue par le show Live DJ avec Sébastien Thiel qui va jouer dans quelques minutes partout autour de la Terre, connecté sur les réseaux, ça va être juste énorme. Pourquoi avoir dit oui à la demande de Sébastien Thiel de jouer son live DJ ici à Pont-Saint-Martin?
parce qu'on voulait soutenir son projet et on a été aussi touchés par, par sa demande. Et voilà. En fait, il y a une pierre de coup. On fait jouer les artistes, on est solidaire avec la cause. Tout à fait. Je pense que les artistes aujourd'hui ont besoin de travailler et on a vraiment envie de les soutenir. Marie-Anne, David, merci. Vous êtes les bienvenus. Dans quelques minutes commencera le Kids Mix United for Children. Nous sommes avec Madame la Présidente Françoise Coste. Françoise Coste, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à quelques minutes du lancement de ce beau et magnifique projet que vous soutenez. Et aujourd'hui, nous allons œuvrer pour cette association. Je vais vous laisser, Madame Coste, le soin de nous présenter l'association On Compte Plein Air. Oui. Alors, c'est une association qui a été créée il y a presque 25 ans maintenant par Françoise Michelot, qui était le médecin qui a créé le service oncologie pédiatrique à Nantes, au CHU de Nantes, et qui avait fait un stage au Canada et qui trouvait les enfants le lundi plus en forme que le vendredi quand elle les lâchait. Donc elle s'est posé la question et à l'époque, il faisait du sport. Donc en fait, elle est revenue avec cette idée que les enfants avaient besoin, en plus des traitements, de s'extérioriser et de faire du sport. Et c'est ce qu'elle a essayé de proposer en créant cette association. Et donc on organise pour les enfants des sorties à longueur d'année, soit à la journée, soit en week-end, pour leur proposer des activités surtout de plein air, donc sportives, de la voile, de l'escalade, de la pro-branche, oui, l'équitation, enfin un petit peu de tout. Et puis l'été, on fait un séjour de 8 jours en montagne, où là on fait plus de randonnées, etc. Combien d'enfants au sein de l'association ? On a à peu près 140 enfants qui sont inscrits. Bien sûr, ils ne viennent pas tous en même temps. On a un noyau dur d'enfants qui sont là depuis un moment. Parce qu'en fait, au début de la maladie, les parents ne laissent pas les enfants partir. Et puis petit à petit, ils viennent une fois, deux fois, et puis après, ils rentrent. On les prend de 5 ans à 20 ans. Et tous les ans, on organise une sortie pour les 10 ans, les 20 ans à 30 ans. Pour qu'ils continuent à se voir au moins une fois par an pour garder des contacts. Quoi. Garder le lien. Ouais. Comment on prend contact avec votre association et comment on la retrouve sur les réseaux notamment et sur un site internet ? Alors, site internet aoba-nantes.fr, ça marche assez bien. Et puis après, c'est le bouche à oreille qui nous fait connaître et Facebook aussi. Exactement. Merci Facebook. Sébastien Kills, aujourd'hui, va mixer pour l'association, oui. Récolter des dons, récolter des fonds. Comment s'est créée la rencontre avec Sébastien Kills ? Alors, c'est pas moi qui l'ai contacté, c'est ma collègue, parce qu'on est co-présidente, hein, on est 4 co-présidentes, et puis elle ne pouvait pas venir, elle est pharmacienne, donc elle travaille aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pris la relève. Je pense qu'il avait été concerné par la maladie, et puis il a voulu faire quelque chose pour cette association. Comment on peut vous aider tout au long de l'année ? Alors, nous, on propose des sorties aux enfants qui sont gratuites. On impose juste l'adhésion de 15 euros parce que ça, c'est une question d'assurance. Et sinon, on œuvre un peu partout pour organiser des... Alors, on organise une opération tout compte dehors tous les ans qui nous permet d'avoir les fonds pour les séjours d'été. Et puis sinon, on essaye d'avoir des dons... à droite et à gauche, par des associations ou des entreprises. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'associations, ouais. Il y a plein d'entreprises qui sont présentes ouais, pour défendre votre association, madame. Co-présidente, je le rappelle, de Onco Plein Air. Merci beaucoup, Françoise Coste. Merci. Vous restez pour le Merci show. Merci à vous. Oui, bien sûr. On va danser un peu, là. Christophe Housset, bonjour. Bonjour Fabrice. Partenaire de cet événement Kids Mix United for Children qui va commencer dans quelques instants. Pourquoi impliquer les Kids Event dans cette aventure ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on s'est rencontré avec Sébastien il y a un petit peu plus d'un mois, parce que le timing a été un petit peu court quand même pour tout mettre en place, l'opération et la cause nous a séduites. De plus, on trouvait ça important aussi voilà, que l'événementiel revienne un petit peu sur le devant de la scène. On a des personnes chez nous qui grattent un petit peu de la patte, qui avaient envie de sortir. Les Fly, c'est pareil, ça fait quand même un petit moment que rien n'est sorti. Donc on s'est dit, ben voilà, on va unir les forces, on va le faire pour une cause. Et puis, tu vois.
Vous pouvez nous présenter Make It Event avec l'équipe qui est là, une partie de l'équipe qui est présente aujourd'hui pour Alors, ce show. Une partie, voire même la totalité de l'équipe aujourd'hui, hein, puisque tout le monde, même les personnes qui étaient off, voilà, sont déplacées, sont venues rejoindre justement pour cette belle journée. Donc, Make It Event, donc, c'est création en 2017, janvier 2017. Voilà, tout s'est fait là aussi assez rapidement. Depuis un an, bah, bien évidemment, sur la partie événementielle, on se retrouve tous bloqués, comme tous nos collègues. Fort heureusement, on a plusieurs créneaux d'activité qui nous permettent de survivre, tout simplement. Aujourd'hui, l'opération, c'est vrai qu'elle est sympa parce que ça a permis de ressortir du matériel, ça a permis aussi de refaire des démonstrations de produits qui n'avaient pas encore eu l'occasion de se retrouver sur le marché jusqu'à maintenant. Et puis surtout, voilà, pour nos techniciens, c'est surtout aussi l'occasion de sortir parce que là, ils commençaient un petit peu à gratter de la patte, le fait de ne plus pouvoir être sur le terrain, voilà, simplement se retrouver derrière des ordinateurs à faire des simulations et des préparations. C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'être là, d'être présent, d'être vivant. Vous pouvez nous parler de votre relation avec Sébastien Kids? Alors Sébastien, c'est une très longue relation, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant. On a eu l'occasion par le passé de fréquenter des discothèques un petit peu communes ou concurrentes, voilà, ça dépendait des périodes. Et puis voilà, l'amitié est toujours restée. On a eu l'occasion aussi il y a quelques années de faire un événement commun qui s'appelait le bal de l'horreur. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que quand il y a des personnes comme ça qui sont là, qui s'impliquent pour des causes, c'est important aussi de pouvoir répondre présent. Ça veut dire que votre entreprise reste humaine dans ces moments même compliqués et avec de contexte sanitaire très difficile. Alors, tout contexte confondu, oui, je pense que c'est vraiment le leitmotiv de la société, c'est l'humain. Merci beaucoup, Christophe Housset, partenaire de cet événement Kills Mix United for Children. Merci. Merci à vous, Fabrice. Salut les copains, toute l'équipe de Make It Event qui est là, donc il ne faut pas que j'en oublie, attention, hein. j'ai Alexis, j'ai Jed, j'ai Teddy, j'ai Matt, j'ai Guillaume, j'ai le big boss Christophe qui est par là dans les coulisses, il y a le duo Symbiose qui nous a rejoint avec Richard qui est cracheur de feu, il y a toute la troupe Art Tempo et tous les partenaires qui gravitent autour de l'événement, donc vous verrez les noms génériques, c'est impressionnant. On va parler de l'association que tu vas défendre dans quelques minutes. On va en parler, on va la présenter, cette association. Ouais, pourquoi l'avoir choisie également? Voilà, et pourquoi l'avoir choisie? C'est l'association Onco Plein Air qui a été créée par le docteur Françoise Méchineau, professeur même, qui était à Nantes en oncologie, que j'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer puisque mon premier enfant était atteint d'une leucémie. Et c'est pour ça que j'ai appris à connaître l'association. Et 20 ans après, j'avais envie de faire quelque chose pour aider ces enfants à sortir de l'hôpital. Donc c'est parti autour d'un café avec Christophe de Make It Event et Jet qui était là, je crois, ce jour-là, si ma mémoire est bonne. Et on voulait faire un mix pour, et ça a pris une ampleur. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. Le dispositif technique, scénique est juste énorme, impressionnant. Mm-hmm. Comment on va pouvoir l'écouter, ce mix? Alors, à partir de la page Twitch, et ensuite vous allez pouvoir partager, ça va être partagé sur la page Sébastien Kills, sur le YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et vous allez bien sûr pouvoir partager. Et il y aura dans les commentaires le lien pour mettre les dons sur la cagnotte de l'association Onco Plein Air. On y va? On y va, c'est parti. On y va. Joe.